Bonsoir. Je suis de retour. Donc, salut à vous si vous venez de vous connecter. Donc, je fais ce direct, comme j'ai dit. J'ai intitulé cette vidéo. Pourquoi vous devez reprendre vos rêves d'enfance et comment procéder? Votre mission de vie vous appelle. D'accord. Qu'est-ce qui m'a inspiré? J'ai une jeune fille, une jeune demoiselle qui m'a contactée, ça fait quelques heures. Donc elle m'a dit, voilà, elle a repris ses rêves d'enfance qu'elle avait depuis. Et elle avait envie de faire, tu vas sûrement écouter ça maintenant. Tu me dis que tu avais envie de faire du traiteur depuis. Je ne sais pas dans quelle branche ou dans quelle filière tu fais actuellement. Mais la vie, on dit comme ça, bonsoir Ndassi. La vie a fait que tu te retrouves en train de faire autre chose. Et il y a beaucoup d'entre vous comme ça. Vous savez à l'intérieur de vous que je sais que je suis censée faire autre chose. Ça vous appelle. Mais vous vous retrouvez toujours. Vous tournez en rond, mais vous revenez encore là-dessus. Et ce n'est pas facile parce que vous croyez qu'il n'y a pas d'issue en fait. Vous ne savez même pas comment procéder. Ok, je suis peut-être enseignante. J'ai un salaire de 60 000 francs CFA. Mon vrai rêve, c'est de devenir, de faire du traiteur. Supposons, je fais comment? Ce que vous devez comprendre, c'est que, écoutez-moi bien, je vais relier ça à Dieu, parce que je suis convaincue que ma chair, c'est là, je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et ce que Dieu vous a appelé à faire, c'est spécifique, et ça va toucher une sphère de la société. Si vous n'avez pas foi que Dieu m'a appelé à faire de nouvelles, un nouveau type de perruque, par exemple, vous allez toujours douter. Et vous allez commencer quelque chose, vous allez encore laisser. Vous allez commencer, vous allez laisser. Vous allez commencer, vous allez laisser. Donc, ça, c'est le premier problème. Donc, l'un des symptômes, c'est que peut-être vous commencez, vous laissez tout le temps. Le deuxième symptôme qui peut exister, bonsoir Yannick, c'est que je ne sais pas. Je sais qu'il veut faire quelque chose, mais j'ai peur. Ok, comment est-ce qu'on se prend même pour faire ce business? Il me faut peut-être 5, je crois qu'il me faut 5 millions pour commencer. Donc voilà, je me dis, voilà, mieux de toi coach, tu peux faire ça parce que je vous dis ce que je fais. Ce que je fais aujourd'hui là, le centre que, là où je coach les enfants aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai commencé avec ce que, donc pas la foi. Personne n'a pris ses 1 million, 2 millions, 5 millions, il a dit que prends, tu fais ça avec. Donc, quand il vous enseigne quelque chose, c'est parce que moi, j'ai toujours été convaincue que je n'ai pas besoin de dire aux gens... supposons, je vous dis peut-être que j'ai fait un truc de 10 millions de francs CFA, ou bien... ça veut dire qu'il faut que je vous explique comment... là où j'ai pris les 10 millions, là. Et même si c'est la banque, on connaît tous... Je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu comment c'est quand tu veux prendre le crédit à la banque. Tu arrives, si tu ne connais pas quelqu'un qui va t'avaliser, et pour que quelqu'un t'avalise, il faut que ce soit un dragueur ou bien ton père. Et si ton père, lui, dit qu'il ne veut pas t'avaliser, ou bien il n'a pas les moyens de t'avaliser, tu te retrouves comment? Perdu. Donc, moi, j'ai découvert un autre moyen que le Seigneur m'a montré et que je ne savais pas qui est. Je crois que je savais un peu. Parce qu'au fil des années, j'ai été très... j'ai toujours le genre de personne que si j'ai envie de... si je vois quelque chose qu'elle veut faire, je commence avec ce que j'ai chez moi. Donc, supposons, je vois, je me dis, waouh, je voudrais commencer à vendre des beignets peut-être. Je vais dire, ok, au lieu de chercher peut-être à faire des beignets, je vends dans une boutique avec la clim. Avec, je veux me dire, qu'est-ce que j'ai à la maison? J'ai une petite table que je peux mettre dehors. J'ai la nappe que je vais mettre sur ça. J'ai une petite mamie là-bas que je peux utiliser en attendant d'acheter la friteuse. Donc, je prends les ingrédients. Après, je me rends compte qu'il faut peut-être que je dépense maximum 15 euros pour commencer. Ou en France, il faut maximum 20 000 francs. CFA, on va te supposer. Quelqu'un d'autre va se dire, non, tu peux quand même faire, tu fais avec 15 euros. Non, il faut que tu fasses le genre que tu as besoin de 5 000 euros, comme tu vas faire un grand restaurant. Donc moi, je commence à la maison, par exemple. Pendant qu'elle fait à la maison, premièrement, les gens apprennent que je fais à manger. Deuxièmement, ça me permet de tester ma main culinaire, mon talent culinaire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je teste mon talent culinaire.
j'aiguise mes capacités à pouvoir économiser une partie de l'argent que j'ai gagné. Je fais encore, j'achète encore plus de marchandises. Je viens, je vends. Je prépare, j'économise encore. Je pars, j'achète plus encore. Tu fais comme ça. Si tu prends le bénéfice, tu le remets dans le business, tu ne le manges pas. Tu le remets dans le business continuellement pendant un an. Tu vas voir qu'au bout de ces un an-là, ton business va fructifier. Tu auras, là, le modèle sera tellement prouvé que tu pourras vaillamment aller dire à un investisseur, en un an, j'ai commencé le business avec 20 000 francs CFA. Maintenant, je tourne dans 500 000 francs CFA. Écoutez bien. Maintenant, je tourne dans 500 000. Parce que c'est que vous aimez qu'on vienne vous parler des trucs de la sorcellerie. Que oui, il faut que tu attendes peut-être le Fayman qui va te donner 5 000 euros. Et ça va impliquer que vous allez salir votre âme. Faire des trucs qui ne sont pas bien avec la personne pour voir la personne. En espérant que la personne vous donne l'argent. En espérant. Ce n'est même pas sûr. Donc, si jamais tu commences avec cet argent et que tu es fidèle, tu le fais fidèlement. Tu apprends à garder le profit, tu le remets là-dedans. Tu gardes le profit, tu le remets là-dedans. Tu multiplies. Je me rappelle quand je vendais les beignets en Angleterre. Je pouvais dépenser 5 euros pour faire les beignets. 5 pounds. Donc, avec 5 pounds, la farine était 50 pence. Donc, avec 2 pence, j'achetais 3 paquets de farine et 1 paquet de 1 sachet de sucre. Ça me fait 2 pounds. L'huile, j'achetais 2 bouteilles. 1 pound 18 à Lidl. Ça me faisait 1 pound 18 fois 2, ça fait 2 pounds 36. Donc, 2 pounds 36. Plus 2 pounds, ça fait 4 pounds 36. Et la farine a déjà la levure, s'il vous plaît. Si vous voulez les grandes ambitions, je ne suis pas là pour ce soir pour les grandes ambitions. Je veux parler aux jeunes là, parce que j'ai beaucoup de jeunes personnes qui me contactent. J'ai beaucoup de jeunes, les jeunes là, et c'est vous que je veux toucher. Je veux parler, je veux parler aux jeunes là. Vous avez besoin de ce que j'ai à vous dire. Donc, avec 5 pounds, voilà, 4 pounds, 4 pounds 38, non, 4 pounds combien? 18 fois 2, ça fait 36, voilà. 4 pounds 36. Voilà. Je prenais ça, j'amenais à la maison. Et la lumière, je savais que bon, si je, en Angleterre, on top up. Donc, je suis même à lumière de 5 pounds peut-être. Ça, pendant qu'elle consomme pour la journée ou bien pour 5 pounds, ça me faisait peut-être 2 jours à la maison. Donc, on ne peut pas dire que ça compte vraiment. Donc, tu vas faire ton truc. Donc, avec 5 pounds, j'ai déjà commencé. Et avec 5 pounds, j'ai 1,5 kg fois 3. J'ai 4,5 kg de farine. Je mets le sucre, tout ça, je fais frire. Et parfois, tu mets un peu de vanille dessus. Mais le secret des beignets, c'est que tu mets le... Je vous donne mes secrets. Quand tu fais les beignets, tu mets le sucre et tu mets le sel. Quand tu fais ça, parfois, tu n'as pas besoin de mettre de la vanille sur ça. Tu n'as pas besoin d'arôme. Ça donne. Donc, tu fais ça, je finissais ça, après j'emballe. Les plastiques, maintenant, pouvaient coûter un peu d'argent. Donc, 4,5 kg de farine pouvaient me donner... Facilement avec 5 pounds que j'ai dépensé. Je suppose que j'ai pris 1 pound 50 ou 2 pounds pour les emballages. Ça me fait 7 pounds. Je pouvais facilement vendre des beignets de 30 pounds. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je prends 7 pounds. Imaginons, je prends 7 pounds. Je fais frire, je truc, ça me donne. Généralement, c'est même plus parce que je mettais 4 beignets à 1 pound. Et les beignets, c'est assez considérablement, c'est pas trop gros. Donc, supposons peut-être quotidiennement, tu fais ça. Au bout d'une semaine, si tu l'as fait pendant 6 jours, ça veut dire que tu as un bénéfice, supposons, tu dois, donc au pire des cas, tu sors de cette activité quotidienne-là, 20 pounds par jour, ou bien 15 pounds, tu mets de côté. Donc, en une semaine, en ayant investi chaque jour 7 pounds, tu auras le bénéfice que tu pourras mettre de côté de 15 pounds. Ça te fait, il y a beaucoup d'argent. Tu mets ça de côté, tu ne touches pas. Donc, tu peux dire peut-être que, ok, les 7 pounds que j'ai au-dessus là, ça peut-être, je vais mettre ça dans ma poche que je me paye avec. Si tu fais ça au bout de 6 mois, en ayant travaillé 6 jours la semaine, 6 jours la semaine, ça veut dire que chaque mois, tu vas te retrouver à faire 24 jours. 24 fois 10, ça fait 240. Tu me divises par 2, ça fait... 120, tu rajoutes 120 maintenant sur ces 240 là, ça te fait 350. Donc par mois, en faisant les beignets, écoutez bien, en vendant les beignets 6 fois la semaine, tu as économisé 350 pounds. Je veux que vous compreniez que la loi qui va vous donner le succès, ce sera la loi de l'effet cumulé.
Et parfois, je préfère aller plutôt en un jour, je pars quelque part, je vois quelqu'un, je lui parle et il me donne les 400 pounds là. Au lieu de travailler 24 jours par mois, c'est beaucoup. Quand je pars, je me mets les 24 jours là, je travaille. Je développe la discipline en moi. Je développe la patience. J'améliore mon talent. J'améliore ma façon d'acquérir une capacité. Parce que chaque jour quand j'ai fait les beignets là, moi généralement je prenais les critiques. Quand aujourd'hui il vient, on me dit qu'il y a trop d'huile sur ça. Le lendemain qu'elle fait, je sèche un peu avant de mettre. Après il vient, on me dit que non, c'était trop salé aujourd'hui. Ou bien ce qui fait qu'après j'avais développé la recette parfaite. Tu fais ça pendant 6 mois. Un investisseur vient te voir et que par mois tu as gardé 350 pounds. Et en 6 mois, Seigneur, donne-nous la discipline. Moi, je te vois que c'est l'argent. Hein. Ça veut dire qu'en un an, tu vas te retrouver avec 4 000 pounds environ, 4 000 et quelques. En un an. Donc, ça veut dire que si tu fais ça, supposons que tu fais. Et si tu t'organises bien pour tes beignets, quand tu fais frit comme ça le matin, tu pars déposer quelque part, maximum à midi, tu as fini. Ce qui fait que dans l'après-midi maintenant, tu commences à coiffer peut-être les gens. Ça, ce sont les choses qu'il y a beaucoup de personnes que vous êtes en Europe actuellement et vous n'avez pas une situation qui vous permet de travailler légalement. Donc, du coup, ça a de l'influence sur vous. Donc, ton rêve maintenant ne peut être financé par quelqu'un. Je crois qu'on le sait déjà. Si vous êtes sur ma chaîne, vous savez que personne ne viendra vous donner l'argent pour votre rêve. N'y pensez pas. Ce sera à vous de vous discipliner, de garder votre argent, de mettre l'argent de côté, petit à petit. Et quand vous gardez l'argent, ça vous permet de mettre votre rêve en place. Moi, quand j'ai un projet, je vais prendre même un an pour acheter les choses du projet-là. Je vais rester où je vais acheter le tableau. Je vais acheter la caméra-ci. Après, il reste encore le mois prochain, je dis que ok, j'ai encore un peu d'argent, je dis que ok, on achète quoi le mois-ci. Quand vous voyez mon studio que j'ai fourni comme ça, là, après, il se dit que okay, le mois, c'est les ordinateurs maintenant qu'on va mettre. Après, le monde me dit, ok, 3-4 semaines plus tard, maintenant, on va mettre les tables. Si je disais que j'attendais un investisseur, l'investisseur va venir, il va dire, je vais lui faire le budget. Je vais lui dire, ok, il faut 5 millions. Et je vais attendre indéfiniment l'investisseur là. Donc, et vous dans la stratégie comme ça là, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que vous n'avez pas appris à vous discipliner pour l'argent. Vous n'avez pas appris à vous discipliner pour votre business. Donc, pendant le temps où tu es en train de cotiser ton argent, peut-être ton rêve pour plus tard, c'est d'ouvrir un grand restaurant. Je fais que tomber dans la restauration. Ou bien un salon de coiffure. Pendant que tu fais les beignets le matin et que ton but, c'est la salon de coiffure, va maintenant dans la ville où tu es. Tu cherches quelqu'un qui coiffe très bien. Un bon salon de coiffure. Bonsoir, Assel. Cherchez l'excellence, cherchez un bon salon de coiffure. Ok. Est-ce qu'elle peut venir travailler chez vous? Généralement, on vous demande de payer pour que vous veniez apprendre. Il n'y a pas de souci. Demandez le prix qu'il faut. À négocier avec la personne parce que vous seriez surpris de voir comment les gens, surtout quand quelqu'un fait son entreprise ou construit son entreprise lui-même, tu viens, tu lui expliques ta situation. C'est plus facile pour quelqu'un à qui tu demandes, ok, j'ai besoin de 5 000 euros, j'ai déjà mis de côté 2 000 euros. C'est facile pour la personne de porter ces 1 000 euros, il participe à ton business. Au lieu que tu viens dire, j'ai besoin de 5 000 euros, je n'ai pas encore, j'ai 0 euro. Elle dit, mais tu te moques de moi là, je vais te donner mon argent, tu vas manger le tout. Alors que si je viens te voir, je dis, ok, tu viens même peut-être dans mon centre, tu vois, waouh, elle a déjà fait ça, ok. Tu as besoin de, on peut ajouter quoi? Pensez plutôt dans le sens, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ne pensez pas dans le sens, qu'est-ce qu'on peut me donner totalement? Non, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que je fais déjà? Donc, vous pouvez avoir deux options. Cette option-là où, pendant que vous êtes en train de chaque mois, vous achetez quelque chose, vous déposez. Soit vous prenez juste de l'argent, vous déposez de côté. Même si vous achetez de la marchandise, vous déposez. Assurez-vous toujours que vous avez des sous que vous gardez. Parce qu'il y a cet effet-là, quand tu as de l'argent que tu as économisé, ça te donne les options. On va juste te dire comme ça. Tu peux avoir le matériel, parfois il y a un problème ou un truc comme ça, la dernière minute, tu ne peux pas. Alors que si tu avais économisé un peu d'argent de côté, tu avais mis aussi le matériel de côté, ça te permet maintenant de dire, ok, le mois où j'ai besoin de plus d'argent, c'est là que tu prends. Ok, mon matériel est déjà là. Et vous avez un plan.
Je sais que pour mon business, j'ai besoin du four. Après le four, j'ai besoin de l'appareil qui fait les jus. Après l'appareil des jus, j'ai besoin des grosses friteuses. Donc tu as établi que sur 6 mois, je vais acheter tel matériel, tel matériel, tel matériel, tel matériel. Donc quand quelqu'un te rencontre comme ça, quand vous vous réfléchissez comme ça, vous allez voir qu'en tant que femme, vous n'allez pas envier un homme. Vous n'allez pas attendre un homme dans votre vie. Donc genre, vous n'allez pas marcher, vous dites, waouh, il a la grosse voiture, il peut peut-être m'aider à faire mon... Non, ça ne sera plus comme ça. Parce que tu sais là où tu pars, tu te suffis. Quand tu vas venir au salon, on va te parler. Donc, tu vas plus regarder un homme en regardant plutôt la clé qu'il a dans sa main. Et c'est quel genre de gars? Et juste en passant, plus grosse la voiture et plus les dépenses sont. Donc, si vous cherchez le gars qui a la grosse voiture, il y a moins de chances qu'il vous aide dans votre projet. Parce qu'il dépense déjà sur son argent, sur sa voiture, ma chérie. Il dépense déjà sur sa voiture. Les choses ont été inversées dans votre tête, non? On veut le gars qui a une grosse voiture, celui qui s'habille bien. Ma chérie, son argent va partir sur son habit. Ça ne va pas partir sur toi. Il ne peut pas investir sur toi parce qu'il doit payer son habit. Il doit maintenir son standard. Il doit payer sa voiture. Il doit mettre le carburant dans la voiture. Il doit payer son appartement cher. Réfléchissez. Donc, toi, voilà, donc, tu as déjà commencé à acheter certaines choses, tu as mis à terre. Tu as commencé à économiser aussi. Parce que parfois, pour payer le loyer, il faut de l'argent que tu as mis de côté. Pendant ce temps, cherche l'endroit où tu vas te perfectionner. Supposons que tu n'as pas d'argent et c'est la cuisine. Décide-toi que chaque semaine, tu vas faire une recette différente. Tu peux peut-être t'organiser avec tes amis. Tu dis, ok, voilà, je vous fais des repas chaque semaine. Vous me payez juste les frais de votre nourriture. Donc, ne me payez même pas moi. Donc, supposons que la nourriture coûte 48 pounds d'achat. Ils vous donnent 50 pounds. Donc, vous cuisinez, vous regardez les recettes en ligne. Ça vous permet de vous développer. Parce qu'un talent qu'on développe, qu'on cultive et qu'on met en pratique chaque fois, ça se développe. Il y a des choses que j'arrive à faire aujourd'hui que ça fait au moins 3-4 ans que je fais ça. Conseiller par exemple les gens. Il y a des moments où je me retrouve parfois des moments où on me donne l'opportunité de parler. Parfois j'ai la période pour moi pour me préparer est toute petite. Donc du coup je n'ai pas le temps de partir faire des recherches. Parce qu'au fil du temps je suis souvent restée comme ça. J'ai vu que ok, quels sont les problèmes que mes frères ont. Je vois le problème. Quelqu'un me contacte peut-être me dit voilà j'ai tel problème. Je pars, je fais les recherches en ligne, je fais les recherches. Je sors de là. Ce que j'ai appris pour aider la personne là, ça va m'aider plus tard. Mais pas, généralement, on nous a habitués en tant qu'Africains que non, si tu as aidé la personne maintenant et tu n'as pas une récompense financière maintenant, ça veut dire que la personne t'a exploité. Non, je suis convaincue qu'aucune chose ne se perd. Bonsoir, noisette. Rien ne se perd. Tout ce que nous semons ici, nous récoltons ici. Vous semez le mal, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous semez le bien, ne vous inquiétez pas non plus. Même si quelqu'un emporte tout ce que vous avez en part avec. Quand j'ai compris ça, j'ai eu la paix. Et c'est vraiment tout récemment, j'ai lu un auteur que j'ai commencé à lire. C'est un pasteur, mais vraiment, j'ai le pasteur que... Il a révolutionné ma façon de voir le pastorat. De voir Dieu. Dieu, c'est pas genre, je n'ai rien à faire, ma vie est finie, j'ai dit qu'il va devenir pasteur parce que je sais que je vais escroquer les gens. Au contraire, je dis que je suis pasteur, je suis là pour construire les gens, pour qu'ils deviennent quelque chose. Pour qu'ils deviennent quelque chose. Et c'est ça. Donc, il y avait une des règles de base qui disait, il disait que tout ce que tu sèmes, et c'est même dans la Bible, Galates chapitre 6, tout ce que tu sèmes ici, tu vas récolter. Donc, quand tu veux, et il encourage beaucoup que je me suis rendu compte qu'il faisait même déjà ça depuis. Quand tu es en train de semer, tu dois comprendre qu'on ne va pas me payer là, là, là. Et parfois, même quand je sème, ce n'est pas la façon dont j'espérais qu'on va me payer, qu'on va me récompenser. Parfois, ok, non, si je t'aide à faire ça, là, il faut que tu me payes forcément. Il faut que tu me donnes ceci forcément. Non. Donc, arrêtons de toujours calibrer que non, quand j'ai aidé la fille, là, ma récompense. Il y a des moments où vous êtes parti quelque part, on vous a aidé pour rien. Jusqu'à tu arrives comme ça, tu dis, mince. Je n'ai rien à vous donner. On dit oui, pas, ne t'inquiète pas, vas-y. Mais madame, je voulais payer. Non, vas-y. Quand j'ai dit aux gens que j'ai la faveur au Cameroun, on ne me croit pas. On dit non. Moi, j'ai toujours été convaincue que la faveur de Dieu me suit partout. Pas parce que je confesse et dis seulement bababa, non. Donc, vous devez être convaincu, vous devez être le genre de personne que partout où je veux toujours apporter de la valeur aux gens. Je veux apporter de la valeur. Donc, pendant que je suis en train d'économiser mon argent pour pouvoir financer mon business demain, je veux travailler ce potentiel.
si c'est la couture, si c'est la coiffure, si c'est parler, si c'est n'importe quoi, je commence à travailler. Et quand je travaille cette chose, ça va commencer à se perfectionner. Et il y a la loi des 10 000 heures. Et cette loi des 10 000 heures dit que n'espérez pas qu'on vous paye vraiment pour quelque chose que vous faites tant que vous n'avez pas travaillé ou exercé ce talent pendant 10 000 heures. C'est-à-dire, il y a des moments où je veux... Les directs qu'elle fait tous les soirs, c'est là. Je suis en train de m'exercer, hein. Vous ne le savez peut-être pas. Vous pensez que je n'ai rien à faire. En fait, la fille, elle s'ennuie. Il y a des moments où je pars, je prends des enseignements, je lis des livres, je viens, je traduis. Je parle, genre que je sais que... Il y a des trucs, des formations en anglais que j'ai regardé, je ne trouvais pas en français. Il y a des bouquins en anglais que j'ai vu, je ne trouvais pas la version française. Le livre m'a tellement béni, j'ai dit que non, il faut que je vienne, je partage. Et c'est quand tu partages que tu peux savoir si tu as appris ou pas. C'est que nous vivons dans une époque où les gens n'aiment pas partager. Non, c'est pour moi. Si je montre aux gens, ils vont venir. Non, il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut avoir du... Si vous tous qui m'écoutez là, demain, vous arrivez à tous faire votre business. L'argent ne va pas manquer sur la terre. L'argent ne va pas manquer sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as la prospérité que... Non, non. Non, je ne vais pas prendre l'argent de quelqu'un. Personne ne va prendre mon argent. Donc, quand je commence à développer, pendant que je développe mon potentiel, il y a quelque chose qui se passe. Ma vision d'abord. Je commence à avoir de l'assurance en moi. Il y en a parmi vous. Vous avez le rêve à l'intérieur de vous d'avoir un jour votre salon de coiffure. Mais parce que là où vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas l'argent, même rien du tout. C'est un rêve tellement lointain. Vous pensez que ça ne peut jamais se passer. Donc pendant le temps que vous économisez votre argent, vous achetez le masque, le matériel, peut-être le casque, peut-être... Je me rappelle, en France, il y a une dame, on a été en contact pendant quelques mois. Je l'ai rencontrée dans un salon de coiffure, je suis allée me coiffer. Et elle n'avait pas les papiers. Donc le jeune homme africain qui l'a pris, qu'il a prise dans son salon, il a en fait utilisé parce qu'il savait qu'elle est bloquée. Donc elle avait été formée, elle allait à l'école, elle a fait sa licence en coiffure. Donc elle savait très bien faire les techniques de coloration, tous ces trucs. Le monsieur apprend, donc il la met, il dit bon voilà, ils ont commencé au départ comme s'ils commençaient en tant qu'associés. Mais après il n'a pas respecté sa part du contrat. Et elle me dit voilà, quand il m'a trouvé dans la ville où j'étais, j'avais déjà acheté les casques, j'avais acheté les lave-cheveux, j'avais déjà acheté tout ça. Donc, il me manquait seulement l'emplacement pour que je lance. Et je dis, tu as commencé à lui parler, lui, pourquoi alors? Je n'avais pas les papiers. Je croyais que j'allais travailler ici, là, comme ça, les fiches de paie qu'il me donne, ça allait me permettre, au bout de peut-être 2 ans, de me légaliser et de partir ouvrir ma part. Donc, vous voyez qu'elle, c'était une femme qui était sage. Pendant qu'elle faisait tout ça, elle avait acheté le matériel, elle mettait de côté, elle avait acheté le matériel. Après, elle est partie, elle s'est formée. Et quand elle s'est formée, elle travaillait, elle m'a dit qu'elle travaillait pendant qu'elle se formait. Elle faisait sa licence. En journée, elle travaillait à Château Rouge, là. Elle travaillait dans les salons de coiffure là-bas. Elle faisait des petits coiffures. Mais elle partait à l'école du blanc le soir. Elle apprenait comment faire la bonne coiffure, les bons traitements de cheveux. Donc, si que vous suivez votre rêve maintenant ou pas, dans 5 ans, soit vous l'aurez réalisé et vous serez en train de le réaliser. Dans 5 ans, soit vous ne l'aurez pas réalisé. Donc, commencez à développer le pas à pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la peine avec ça. Beaucoup. C'est-à-dire, tu vois, tu dis oui, je crois que je veux, mais tu commences un mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, tu disparais, on ne te voit plus. Votre remède, ce serait de prendre les choses petit à petit, diviser en petites portions. Dis que, ok, le mois-ci, je vais acheter seulement les plats, je dépose. Tu achètes des plats, tu dis merci Seigneur, j'ai des plats. Tu déposes. Chaque fois que tu ouvres l'armoire des plats, là, tu regardes comme ça, tu dis waouh, les plats de mon service traiteur. Waouh, les plats de mon service traiteur. Le mois prochain, ok, je vais acheter les robots, les Moulinex là. Il y a les Moulinex professionnels qui coûtent assez cher. Tu peux en avoir un à 350 euros. Tu dis ok, tu achètes le Moulinex là, tu mets, tu dis waouh, tu mets dans le Moulinex professionnel. Super. Tu vas voir qu'au bout de 6 mois. Ce qui fait que ton attention sera tellement focalisée sur ça que quand tu vas sortir souvent, tu arrives en ville comme ça là, tu vas souvent tomber dans une brocante, tu vas trouver encore même beaucoup de ce que tu cherchais parce que tu as déjà commencé à mettre ça à la maison. Donc arrêtez de vous empresser. Et même si vous avez des gens qui vont vous proposer des choses que en 2 semaines tu vas créer ton entreprise, tu vas ouvrir ta boîte, tu vas faire ceci, de grâce,
Évitez, parce que aussitôt que vous entrez dedans, c'est aussitôt que vous allez sortir. Je dis ça parce que mon cœur va vraiment pour les femmes que vous avez. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous êtes des femmes célibataires, des mamans célibataires. Donc vous avez des enfants à votre charge. Et parfois, ce n'est pas facile. Donc tu as l'enfant, et puis tu te dis, bon voilà, je dois m'occuper de l'enfant, je ne sais pas. Et tu as ce rêve. Commence. Tu vas voir qu'au bout de 6 mois, ce que tu auras accompli dans la direction de ce rêve-là, tu seras surprise. Commence à acheter ou à économiser. En numéro 2, forme-toi ou trouve une stratégie pour acquérir du savoir. En ligne, vous avez des formations, vous allez sur des plateformes. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le certificat. Si vous êtes en Angleterre, allez sur wowcher.com. W-O-W-C-H-E-R. Leurs formations sont en anglais. Si vous êtes francophone, allez sur Udemy. Wowcher, ce qui est bien avec Wowcher, c'est que Wowcher te donne le certificat. Même sur Groupon. Peut-être vous voulez faire des manicures, allez sur Groupon, vous cherchez des coupons de réduction pour les formations. Parfois, il y a des formations qu'on fait à 900 euros. Sur Groupon, tu peux les avoir à 50 euros. Donc, tu achètes la formation, tu fais la formation en ligne. Après, tu achètes ton matériel, tu commences à tester sur les gens. Bien sûr, il y a aussi l'autre voie. Tu te dis, bon, voilà, tu as peut-être quelqu'un qui veut te soutenir financièrement. Il sort peut-être 10 000 euros, il te paye la formation, tu pars, tu fais. Si c'est le cas pour toi, super. Mais je sais que ce n'est pas 80% de la population qui peut faire ça. Donc, je parle à ces 80 ou 90% là. Mettez votre plan en place. Voilà. Et la persévérance, vous allez voir que au fil de ces mois, au bout de 12 mois, le fait que vous ayez appris à économiser de l'argent, quand l'argent du business va commencer à entrer, vous aurez de la peine à dépenser l'argent là n'importe comment. Parce que toutes les économies de votre maison maintenant seront canalisées vers votre business pour faire grandir le business. Pour faire grandir et développer le business. Voilà. On va se quitter bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ceci va vous permettre de continuez à croire ce que vous avez à faire, de recalibrer vos pensées, recalibrer votre business. Et puis, soyez bénis. Et puis, merci pour vos messages. Merci pour vos messages. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça les a aidés à reprendre ce qu'ils avaient laissé tomber. Et je sais que même dans 10 ans, j'en rencontrerai. Je vais vous rencontrer, vous allez me dire, waouh, tu es aujourd'hui dans mon shopping mall. J'ai commencé le shopping mall il y a cela 10 ans quand je t'avais écouté. Oui, j'avais commencé dans ma petite chambre. Je faisais ceci ou je faisais cela. Vous avez des témoignages. Donc, continuez de croire en vous. Personne ne peut vous les élever ni vous rabaisser. Donc, personne n'est votre Dieu. C'est Dieu qui est notre Dieu. Voilà, c'est Dieu qui est Dieu. Ne laissez pas quelqu'un venir vous faire croire que sans moi, tu ne peux rien. Donc, voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir.